Donc l'internat se compose d'un rez-de-chaussée et de 3 étages. Au rez-de-chaussée, nous avons un foyer et 3 chambres. Au premier, deuxième et troisième étage, nous avons des chambres de 5, 4, 3 et de 2. À chaque étage, nous avons également un espace commun avec banquette, table et télé. Donc au niveau des études et du suivi scolaire, nous avons une étude tous les soirs d'1h30 avec un éducateur référent par niveau qui suit son étude toute l'année. L'éducateur a accès aux notes de son étude afin d'avoir un suivi scolaire plus approprié. Nous avons également des études facultatives le soir entre 20h et 21h où on peut mettre en place des monitorats qui est une aide entre élèves. Moi, en tant que responsable, je fais le lien entre la journée, les professeurs, la direction et la vie scolaire avec également mes éducateurs et vous en tant que parents pour justement articuler ce suivi scolaire du mieux possible. Donc nous avons un foyer où les élèves peuvent se détendre en écoutant de la musique, en jouant au baby-foot. Ils peuvent également accéder aux espaces communs pour regarder la télé. Nous proposons également des activités sportives et culturelles, le jeudi soir notamment entre 17h30 et 19h. Activités sportives, donc nous avons du foot, du futsal, de la musculation entre autres. Activités culturelles, nous avons du théâtre. Des soirées sont également organisées, notamment des sorties comme le laser game, le bowling ou le cinéma. Des veillées sont également organisées au sein même de l'internat avec un bal avant les vacances de Noël, mais également un barbecue pour clôturer l'année scolaire. Pour le mercredi après-midi, les jeunes ont 3 possibilités. Soit ils rentrent à la maison avec un retour jeudi matin, occasionnellement ou à l'année. Soit ils restent ici avec une sortie entre midi et 17h avec autorisation parentale. Soit la troisième possibilité, ils restent ici. Dans ce cas-là, ils ont 1h30 d'études avec un temps libre de 15h à 17h où ils peuvent accéder au foyer mais également aux espaces communs. Donc les élèves terminent leur cours à 17h. 17h, temps du goûter, jusqu'à 19h avec 1h30 d'études. 19h, 20h, il y a le repas du soir avec un temps libre. 20h, 21h, études facultatives avec mise en place des monitorats, qui est une aide entre élèves. 21h, 22h, c'est le temps des douches. 22h, extinction des lumières. Réveil, 6h45. Départ petit déjeuner entre 7h10 et 7h25. Et départ pour aller en cours à 7h45. Bonjour, je suis élève de seconde générale au lycée Sacré-Cœur et je viens d'Annonay. J'ai demandé à venir en internat pour bénéficier d'un cadre calme pour travailler, pour gagner en autonomie et puis pour travailler directement sur place et être plus concentré. Le travail à l'internat se déroule de cette façon. Nous avons une étude obligatoire de 17h30 à 19h qui est surveillée par un éducateur référent qui nous surveille et a accès à nos notes. Durant cette étude, nous avons accès à des ordinateurs ou à une étude non surveillée suivant nos résultats. Nous bénéficions d'études facultatives le soir de 20h à 21h en chambre ou en salle commune où nous pouvons avoir des monitorats qui est une aide entre élèves. L'internat organise régulièrement des événements comme des soirées à thème, comme le bal de fin d'année, le bal d'hiver ou le barbecue en fin d'année. Mais il y a aussi des sorties laser game, au bowling ou au cinéma. Les temps libres nous permettent d'accéder au foyer, mais aussi aux salles communes où nous pouvons visionner la télévision. Nous pouvons aussi, tout au long de la semaine, pratiquer des activités sportives et culturelles, comme le football, le rugby ou même le théâtre. Nous pouvons aussi pratiquer des activités en dehors de l'internat, grâce à des autorisations parentales. Et le mercredi, nous avons 3 possibilités, soit rentrer chez nous et revenir le jeudi matin pour les cours, soit sortir dans Tournon-sur-Rhône de midi à 17h, soit rester à l'internat et pratiquer une étude ainsi qu'un accès aux espaces communs durant toute l'après-midi.